du Kone Bloc. Nous avons quelques questions à vous proposer. Donc, voulez-vous nous faire un résumé de la réunion d'hier avec les leaders de la jeunesse, la troisième région? Donc, on avait appelé les jeunes, l'ensemble des leaders des jeunes et associations de Sikasso, de jeunesse, je veux dire, et pour non seulement parler entre nous, c'était une initiative de la direction régionale de la jeunesse et des sports, pour non seulement essayer de partager des informations concernant la jeunesse sikassoise, telles que par exemple, dans quelques jours, nous allons vivre la semaine citoyenne de la jeunesse de Sikasso. Donc, c'était pour leur partager cette information. Et secondo, il y a une mission câblée sur Bamako qui concerne la réforme de la jeunesse. Donc, qui doit se tenir du 16 au 17. Donc, la mission, c'était pour les informer aussi de la mission pour que Sikasso ait une meilleure participation pour cette réforme. Et le tertio, c'est-à-dire le troisième point, était basé sur l'élaboration d'une grande activité qui illustre l'union de la jeunesse de Sikasso. Donc nous nous sommes compris et nous sommes donné rendez-vous dans quelques jours ou bien dans quelques temps pour que nous puissions trouver réellement le genre d'activité qu'il faut pour que nous puissions vraiment dédier cette activité à l'union sacrée de la jeunesse de Sikasso. Par les responsables de la brigade citoyenne dans les jours à venir. Je dirais que d'abord la brigade citoyenne est une rubrique créée par le ministère de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne uniquement dans le but de renforcer ou sinon d'inculquer le patriotisme, l'amour de la patrie et inculquer ça aux jeunes uniquement et par les jeunes. Je ne sais pas si ça se comprend. Voilà, c'est la création de la brigade citoyenne n'est autre que d'inculquer le patriotisme et l'amour de la patrie aux jeunes, mais faites par les jeunes, seulement par les jeunes. Et ce qui est important aussi, je dirais que les actions de la brigade citoyenne se font uniquement dans le pur bénévolat. C'est-à-dire il n'y a pas de récompense. Parce que nous le faisons dans le but de la citoyenneté. La citoyenneté, elle n'est pas seulement taxée sur les droits, mais elle est aussi taxée sur les devoirs. Par exemple, l'une des missions les plus assignées de la brigade est d'inculquer aux jeunes que la patrie non seulement a besoin d'eux, mais ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de la patrie. Donc, nos activités phares, toutes les activités de la brigade citoyenne sont axées sur les actions citoyennes. Telles que je donne quelques exemples, telles que assainir des endroits publics, telles que faire des dons de sang, par exemple. Voilà, telles que participer aux travaux des actions communes, des actions vraiment nobles, telles que la construction ou sinon la rénovation d'une maison de jeunes, telles que la rénovation d'un centre de santé, ainsi de suite. Mais le tout est taxé quand même sur des actions citoyennes. Voilà. Quel appel vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse malienne en général et celle de la troisième région en particulier? Bon, je lance un appel solennel à la jeunesse malienne. D'abord, n'est pas malien qui le veut,
la patrie est la chose la plus formidable et la plus grandiose que et Dieu ait pu donner à un être humain. Ça, c'est mon avis personnel à moi. Et je dirais à cette jeunesse que nous devons, je dis bien le verbe devoir, nous devons à notre parti, à notre patrie, je veux dire, nous la devons, parce que le fait d'être malien n'est pas fortuit. Chacun a sa nation. Et nous qui sommes les jeunes, il faut que nous comprenions que l'avenir, c'est cette jeunesse. Nos pères, nos grands-pères. Quand je prends l'exemple sur Modibo Keïta, ça a été toujours son souhait le plus ardent que cette jeunesse comprenne que l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse. Raison pour laquelle la brigade citoyenne qui a été créée tout de suite par le département de la jeunesse existait, je dirais, mais peut-être l'appellation, la formulation a changé. Sinon, la plupart de nos maisons de jeunes ont été fabriquées par les bras valides, par Modibo. Tel que quand vous prenez la maison du peuple de Bamako, ça a été fabriqué par les Maliens. Quand vous prenez, par exemple, le palais de la culture, hein, plusieurs édifices hein, de notre pays ont été vraiment fabriqués par les bras valides des Maliens. Et ça, c'est connu de tout le monde. Donc, et ce que je peux dire à cette jeunesse, surtout sikassoise, qu'elle sache que le pays compte beaucoup sur elle. Qu'elle sache que l'avenir du Mali se repose sur elle, sur cette jeunesse. Qu'elle sache aussi que personne n'a rien sans pour autant travailler. Quand tu as tout sans travailler, dis-toi que c'est éphémère. Hein? Nous devons travailler, nous devons cultiver la notion du travail. Donc je demanderai à tous les jeunes de Sikasso de se donner la main, de s'écouter, de s'informer et surtout de se conseiller pour que nous puissions avoir un avenir radieux, vraiment. Le Kine Bloc vous remercie, monsieur le directeur. Merci bien.